un recul de la démocratie au Sénégal. Parce que je crois que le président Macky Sall n'a pas le droit de faire moins que ses prédécesseurs. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il doit se laisser entraîner par des conseillers ou en tout cas des responsables de son parti. Parce que je ne crois pas que ça soit une bonne révision du règlement intérieur pour cela. Je me rappelle, le Parti socialiste avait procédé par, une révision du règlement intérieur de la même façon en 98. J'étais alors le deuxième questeur parce que le règlement intérieur permettait à l'opposition, avec un certain nombre de députés dans le groupe parlementaire, d'obtenir le poste de deuxième questeur, et j'étais alors le deuxième questeur. Et c'est ce que avait fait la même chose, ce qu'avait fait la même chose le Parti socialiste en modifiant le règlement intérieur pour faire sauter l'opposition de la question. Mais c'est plus grave aujourd'hui parce que une Assemblée nationale du Sénégal avec un seul groupe parlementaire, je crois que c'est une honte pour notre démocratie. Si mes souvenirs sont bons, d'une manière ininterrompue, depuis 1988, notre Parlement, notre Assemblée a toujours fonctionné avec plusieurs groupes parlementaires. Je devrais même dire que c'est depuis 1978, année à laquelle le PDS a obtenu son premier groupe. Mais vous savez, avec les moyens de l'époque, le Parti socialiste avait fait démissionner beaucoup de députés et chaque fois, entre 78 et 83, nous avions perdu notre groupe. Entre 83 également et 88, c'était la même situation. Mais depuis 88, donc, notre Assemblée a fonctionné d'une manière ininterrompue avec plusieurs groupes. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, comme en 66 ou en 68, avec un seul groupe à l'Assemblée, je crois que le recul ne peut pas être plus important que celui-là. Donc, je crois que actuellement, ce que nous avons constaté, les reculs dans tous les domaines, de l'éducation, de l'agriculture, de l'industrie, c'est ce que nous sommes en train de voir dans le domaine de la démocratie. D'accord.